Hey, salut les copains, bienvenue au grand jeu. Le grand jeu, le seul et l'unique où tu peux gagner... Une perruque? Hein? Non. Tu peux gagner... Une implantation de cheveux? Non. Tu peux gagner... Une casquette? Non. Non. Tu peux gagner une canne à pêche. C'est la canne à pêche à Didier. C'est une ending. C'était ça la réponse. Que c'était ça la réponse de la canne à pêche, oui. Hey, salut mes petits gaziers, comment c'est que ça va bien? Bienvenue sur Faux de Fromage. Aujourd'hui, je vais te faire gagner une canne à pêche. Ouais, alors comment j'en suis venu à acheter une canne à pêche de marque Anding sur le site AliExpress? Encore une fois, c'est un abonné qui m'a dit, franchement, essaye-la, tu verras que rapport qualité-prix, c'est le top niveau. J'avais dit entre 30 et 40 euros, 43 et des brouettes. Donc voilà, c'est à peu près ça. Franchement, je suis déjà allé l'essayer, on va voir tout ça qu'on va voir. Avant toute chose, si tu veux la gagner cette canne, il va falloir t'abonner et surtout regarder la vidéo, parce qu'à la fin je dirai un petit truc et que sans ça, bah, tu peux pas savoir comment c'est qu'il faut gagner, donc faut regarder la vidéo en entier. Ben ouais, un peu de putaclic. Mais avant toute chose, abonne-toi. Aujourd'hui, je te présente la modèle XXH de chez Anding en version casting pour pêcher Big Bait. Allez, c'est parti, c'est parti! Alors cette canne, tu la reçois dans un tube. Un tube, tout ce qu'il y a de plus tubasse. Et d'ailleurs, quand je te la renverrai, parce qu'elle est à gagner, tu la recevras dans ce tube. Alors, on va la recevoir dans une pochette, comme tu recevras une canne de n'importe quelle marque. C'est une de brun. Alors, dessus, qu'est-ce qu'on a marqué? On a marqué Anding. Et après, on a marqué le modèle. Donc, c'est la C800... One hour later. Bon, on va y arriver à un niveau du modèle. C'est la C802XXH, donc de chez Anding, pour pêcher Big Bait. Si tu entends un peu de bruit, c'est qu'il y a mon Kikuyu qui est juste à côté pour tourner la vidéo qui va bien. Je vais direct la mettre sur le tapis blanc. On va la déballer ensemble. Donc c'est une de brun, j'ai déjà dit. Voilà la bête. Elle est très, très sympathique. Et surtout, elle est à gagner. Et ça, c'est cool. Pourquoi je vous la fais gagner? Parce qu'au début je l'avais acheté clairement hein, pour moi ou pour l'essayer, pour faire une vidéo en plus. Et puis au final, je sais pas si j'aurai l'occasion de m'en servir. Alors vu que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je vous la fais gagner. Moi je peux juste vous dire que c'est propre. C'est vraiment, vraiment très très propre. On la met sur le tapis blanc, vous la verrez mieux. Allez, c'est parti. Bon les copains, on attaque avec la housse. La housse, c'est marqué Anding, après c'est marqué donc Sindoré 2.0X. Après là on a du chinois, j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Le modèle C802XXH. Et après là on a un peu tout qui est écrit en chinois et que j'y comprends rien, sauf que là j'ai vu marqué 2, ça doit vouloir marquer 2 brins. Le modèle est là 2024-07-08. À mon avis c'est quand elle a été construite. Voilà pour la housse. Après, on continue. Regardez-moi les finitions. Les finitions sont parfaites. Regardez-moi les ligatures, comme elles sont jolies. Il y a des petits trucs tout cons, mais bouts de plastoc au bout du blanc, là, pour protéger, je trouve que pour l'emmanchement, c'est pas con, fallait y penser. Ils le font pas tous. Le carbone est très joli. Le blanc est très très joli. Il n'est pas verni. Et là, on a toutes les finitions et toutes les ligatures. Surtout, je tiens à préciser que toutes les ligatures sont, mais vraiment, toute propre, hein, y a rien à dire. On va revenir à l'anneau de tête. Regarde l'anneau de tête. C'est propre, c'est nickel. Y a rien à dire. C'est propre. C'est vraiment très très propre. Les anneaux sont assez petits. Je pense que le nœud Albright c'est mort. Hein, personnellement, c'est mort. Le nœud Albright passera pas. Mais en règle générale, je ne fais jamais passer mon nœud de raccord 13 fluoro. Donc voilà. Alors après, tac. Voyez, regardez comme c'est propre. Je tiens à préciser, encore une fois, qu'on est sur une canne à 43 euros. Une canne à 43 euros. Regardez, donc ça, on aime ou on n'aime pas le côté militaire avec la petite bague de finition au milieu. Donc la Mousseva est bien. Là, on le voit pas, mais sur le porte-moulinet, là, c'est en finition relief. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Franchement, c'est beau. Regardez, là, c'est pareil. Hein. Là, c'est en relief. Regardez ça. C'est beau. Alors, si, j'ai vu un truc. Donc, designed by Anding. Un truc tout con. Bon, là, voilà. Petite erreur.
18, 40 grammes. Alors non, non, c'est une légère erreur. Non, c'est pas 18, 40 grammes, hein, pas du tout. C'est 5200, je pense même qu'elle encaisse 250. Mais regardez-moi la finition du porte-moulier Inet est nickel. Et regardez là, en dessous, ending, avec le petit bout de plastoc pour protéger le talon. Non, franchement... Franchement, c'est propre. Voilà, un point final. On va au bord de la Loire, on va tester tout ça et après on en viendra à la conclusion de la conclusion finale. Si t'as entendu un peu de bruit, c'est normal. Comme je t'ai dit, j'ai mon Kikou qui est à côté. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Tu le sais, t'es sur des vidéos simples pour un pêcheur simple. T'es sur Fat Fromage, quoi. Et surtout, elle est à gagner. Elle est à gagner. Ça se trouve, c'est une merguez, mais on va aller la tester. Bon, les copains, il est maintenant l'heure de tester. Donc, on s'est équipé d'un petit balloum. Et maintenant, l'heure de tester cette canne Big Bait AliExpress. Et maintenant, l'heure de tester cette canne Big Bait AliExpress. Bon, bah écoute, elle envoie le balloum sans aucun problème. Elle est nickel, cette canne. Nickel, franchement nickel. J'ai rien à dire à part qu'elle va trop bien. Bon, on a propulsé le balloum, il allait super bien. On va essayer avec le ratchet, un leurre un peu plus léger, pour voir comment elle se comporte avec un leurre un peu plus léger. Pouh. Nickel crume. Elle va très bien, cette canne. Elle va même très très bien, j'ai envie de te dire. Ah, oh, elle va trop trop bien même. On va faire un petit lancer. Ah, nickel, elle va parfaitement bien, rien à dire. Test complet, là j'ai la Tenayu, donc une canne, et pour avoir le test plus possible, clair possible, donc là j'ai pêché avec la chinoise il y a 2 secondes, là j'ai la Tenayu, donc une canne qui vaut 800 balles, donc qui vaut beaucoup plus cher que celle à 43 €. J'ai la ratchet. Et ça balance bien moins loin. Mais par contre, elle est moins fatigante, cette canne, tu vois, comparée. Eh ben elle est moins forte que la moins lourde et moins forte que la landing, donc elle est moins fatigante. Par contre, elle lance moins loin, forcément. Elle est plus courte. Mais à titre de ressenti, la Tenayu va mieux quand même. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon... Sinon, franchement, ça vaut pas le coup d'acheter une Tenayu. Mais, attention, elle n'est pas dégueulasse, landing. Pour 43 €, elle se comporte bien, je te le dis. Moi. Voilà. Pour avoir le test complet, elle n'est pas délirante. Rapport qualité-prix, rien à dire. Bon les potes, je vous avais dit à la fin, je vous dis ce qu'il faut écrire pour participer. Bon en fait, il faut juste marquer « Je participe !» Je suis désolé de vous avoir gardé aussi longtemps, mais c'était pour vous garder plus longtemps. Donc je participe, tu t'abonnes et tu likes la vidéo. Et là, bah, tu as une chance de rapporter cette canne. Une fois que je t'aurai tiré au sort, eh ben, tu me contactes directement sur Instagram. Moi, je la remets dans le fourreau, je m'occupe de tout, t'as rien à pêcher. Et t'as juste à pêcher. Que dire sur cette canne 43 €, franchement, eh ben c'est pas mal du tout, hein. C'est clairement pas mal du tout. Encore une fois, eh ben j'ai rien à dire, c'est parfait pour 43 €, on en revient au même, 43 €.
Et c'est pas mal. Bon, des fois c'est 50, des fois c'est 37, ça dépend, c'est AliExpress. Mais celle-là, 43€ en version XXH, franchement, elle est bien. J'avais pas dit, on est sur du, ils disent extra fast, ouais. Allez, extra fast, fast, on doit être dans un délire comme ça. En tout cas, elle va bien, elle propulse les leurres bien, elle est jolie. Le seul petit défaut que je peux lui dire, c'est le talon qui est peut-être un peu court. Peut-être un peu court. Ça peut être un avantage comme un désavantage. Mais là, pour le coup, quand tu veux lancer des leurres un peu plus lourds, vu qu'elle encaisse, pour moi, elle encaisse largement 250 grammes. Voilà, son peut-être le talon un peu court, c'est, allez, il lui manque peut-être 20 cm pour être parfaite. Mais moi, je dis que pour le prix, ben, elle est parfaite. Hein, donc, et ben voilà. Hein, toujours pareil, je répète, on s'abonne, on like la vidéo, on marque « Je participe ». Et le concours va durer... un mois, dans un mois, eh ben, je referai une vidéo, je dirai le gagnant. Donc un mois à partir du jour où tu vois cette vidéo jusqu'au lundi dans un mois. Quoi, t'as compris, quoi, ça dure 4 semaines le concours. Voilà les amis, on se dit ciao, on se dit bye bye, tu sais, un fat pêcheur. Le fat fromage, c'est le pêcheur lambda, c'est le pêcheur monsieur lambda. Je vois qu'AliExpress, ça vous plaît de mieux en mieux, alors pourquoi pas en faire de plus en plus, parce qu'il n'y en a pas énormément non plus qui font ça. Eh ben moi, ça me dérange pas, avec grand plaisir. Et je vous le dis, hein, au 5000, on gagnera encore un autre cadeau. Au 6000, un autre cadeau. On n'arrête pas! Mais moi, c'est grâce à vous que j'en suis là. Donc voilà. Là, c'est 43 balles, disons 50, avec l'envoi peut-être même 55 de ma poche, hein, parce que personne m'aide. Mais c'est pas grave, vous m'aidez justement en vous abonnant. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye. Et essayez de gagner cette ending, parce que franchement, elle va pas mal. Allez, ciao, bye bye!